sympathie. Et je voudrais dire aussi que ce qui se passe à Ashraf est une véritable tâche à la conscience de tous ceux qui se battent sur le terrain des libertés fondamentales, qui se battent au nom de l'universalité des droits de l'homme et qui, pour chacun d'entre nous, reste une tâche que nous ne pouvons pas supporter. Je suis heureux d'être ici parce que, avec Madame Rajavi, nous partageons beaucoup de choses. Tout d'abord, nous avons en commun, j'allais dire, une vision et un combat sur des valeurs universelles, que ce soit celui du respect de la dignité humaine, de la lutte pour l'égalité, singulièrement l'égalité homme-femme, de la lutte contre toutes les discriminations, d'où qu'elles viennent. Et je voudrais à ce niveau-là, eh bien, et je sais combien ils sont non seulement déterminés, tenaces, et aussi efficaces. Enfin, je voudrais aussi remercier pour l'invitation pour cette initiative que je considère personnellement comme hautement antiraciste. Je dis bien hautement antiraciste, et c'est un président d'une organisation antiraciste qui le dit. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est un moment et un lieu d'échange. D'échange entre des hommes venant